Bonjour, c'est Vincent à l'école de plongée Aquadomia. Aujourd'hui, je vais répondre à une question: comment devenir moniteur de plongée? Donc, je m'appelle Vincent, je suis le créateur, le fondateur de l'école de plongée Aquadomia, qui forme du débutant au moniteur de plongée à Marseille toute l'année et aussi aux Caraïbes lors de l'université d'hiver Aquadomia à Cozumel au premier trimestre de l'année. Donc, vous avez découvert la plongée cette année ou vous avez progressé cette année et ça y est, vous vous dites, waouh, c'est vraiment génial, je veux en faire mon métier, j'ai envie de devenir moniteur de plongée pour pouvoir partager ma passion, voir des gens agréables, travailler dans un univers hyper sympa. Alors, c'est une très bonne idée et je vais vous expliquer comment faire, mais attention, je ne vais pas vendre le miroir aux alouettes. Il faut savoir que le métier de moniteur de plongée, c'est un métier qui est physique, où on est exposé aux intempéries. C'est un métier qui est très souvent saisonnier et qui n'est pas le mieux payé au monde. Ceci dit, c'est vrai on y vit des moments extraordinaires, on y vit des superbes aventures. Et c'est vrai que si beaucoup de moniteurs de plongée se plaignent du manque de salaire, de la pénibilité, etc., c'est vrai qu'on a tendance à les revoir l'année suivante, tout simplement parce qu'un moniteur de plongée, quand il est dans son job, il est vraiment sur un piédestal par rapport aux personnes qu'il accueille. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque une fois la saison terminée pour les moniteurs hein, qui ont été adulés entre guillemets et qui se retrouvent d'un seul coup à ne plus rien faire et avec beaucoup moins d'attention. Donc une fois ces prérequis dits, donc pénibilité, peu de salaire très satisfaisant, mais c'est vrai que beaucoup de choses sympathiques si vous avez la passion, la condition physique et aussi mon meilleur conseil, c'est d'accumuler les cartes de certification de façon à être capable d'offrir une offre diversifiée et ne pas sombrer dans la routine. Donc pour devenir moniteur de plongée, quels que soient les systèmes, qu'ils soient français ou américains, déjà il faut être un bon plongeur avec une centaine de plongées et avoir acquis les quatre premiers niveaux. Donc dans le système américain, il s'agit d'Open Water, de l'Advanced, du Rescue et du Dive Master. Dans le système français, il s'agit du niveau 1, du niveau 2, du niveau 3, du niveau 4, pour ensuite faire une formation spécifique pour devenir moniteur de plongée. Donc, dans le système américain, c'est très simple, hein. Si vous avez déjà une centaine de plongées, il va vous falloir 3 semaines à peu près pour suivre une formation en moniteur de plongée au WSI qui va vous permettre d'exercer partout dans le monde, sauf en France où nous avons une législation spécifique. Donc, pour la France, il faut effectivement avoir passé le niveau 3 ou le niveau 4. C'est bien mieux de passer le niveau 4, même si certains candidats s'y lancent en ayant le niveau 3, mais sont assujettis à des tests qui ressemblent un peu à ceux du niveau 4 en entrée au CREPS. Il faut savoir que les brevets nécessaires pour enseigner professionnellement en France sont délivrés par les CREPS, ce sont des DEJEPS, diplômes d'État, ou BP, brevet professionnel, le DE qui permet un peu toute activité, le BP qui est une activité un peu plus limitée en profondeur avec la formation jusqu'à 20 mètres, de l'exploration jusqu'à 40 et la nécessité d'avoir toujours un directeur de plongée au-dessus de soi, chose à laquelle n'est pas assujetti un DE. Donc, pour rentrer en CREPS, il faut avoir le niveau 4. Il faut aussi avoir le permis bateau et la formation Nitrox confirmée. Et là, vous partez pour un cursus qui va commencer en janvier et se terminer en octobre. Donc, c'est un cursus beaucoup plus long que le cursus américain. Et voilà tout ce que j'avais à dire pour devenir moniteur de plongée. Donc, si vous voulez exercer en dehors de la France, et je rappelle que les dom-toms, que la Polynésie, c'est toujours la France. Donc, vraiment, si vous voulez exercer à l'étranger, lancez-vous dans un cursus Dive Master au niveau 4, puis au WSI ou au WI, que ce soit chez PADI, SSI, SDI. Et pour la France, donc passer jusqu'au niveau 4 pour acquérir une centaine de plongées et ensuite vous lancer
à mon avis, le mieux un DE ou un BP. Une formule alternative qui est généralement peu connue, c'est que vous pouvez aussi passer un instructeur OWSI, hein, donc comme je disais, soit chez PADI, soit chez SSI, soit CSDI, et ensuite travailler un an à l'étranger avec des fiches de paie justifiées pour demander l'autorisation d'exercer en France. Alors, pour exercer à l'étranger en Europe. Hein, ça, c'est important. Donc, ça peut être en Espagne, ça peut être en Suisse. Enfin, vous connaissez les pays européens. Et ça, ça vous permet de demander le droit d'exercer en France. Alors, ce n'est pas un DE, ce n'est pas un BP, mais vous pourrez exercer avec les mêmes prérogatives que celles que vous aviez dans l'autre pays d'Europe. Donc, c'est aussi quelque chose à connaître. Moi, c'est ce que j'aurais tendance à conseiller parce que ça évite de passer par un diplôme d'État, ça évite d'avoir une année sur les bancs de l'école à payer une formation. Ça permet de se forger une expérience à l'étranger en Europe pour ensuite se dire, oui, est-ce que je veux vraiment continuer ce métier? Hein, il faut savoir que statistiquement, les moniteurs de plongée sont généralement actifs 2 à 3 ans, puis après se réorientent vers d'autres formations, vers d'autres univers professionnels qui sont plus épanouissants en termes salarial et en termes de pénibilité. Puisqu'on parle de salaire, quel est le salaire d'un moniteur de plongée? Actuellement, en France, ça tourne autour de 1 500, 1 800 euros net mensuels. À l'étranger, ça va dépendre vraiment du pays concerné. Et ça va aussi dépendre du mode de fonctionnement, du centre pour lequel vous travaillez, qui peut décider ou pas de vous faire des commissions sur les formations. Donc pour résumer, pour devenir moniteur de plongée, il faut d'abord devenir guide de plongée, ce qui est possible avec le niveau 4 ou le Dive Master. Hein, le Dive Master au niveau 4 qui permettent déjà d'exercer à l'étranger contre rémunération, même si ce n'est qu'un premier échelon, hein, donc il n'y a pas le plus considéré. Vaut bien mieux vous passer l'instructeur, et là le choix est vraiment à se poser la question, est-ce que je vais exercer en France ou à l'étranger, sachant que pour la France, c'est là où le diplôme est le plus long à obtenir. Ensuite, bien sûr qu'en France, vous pourrez délivrer des certifications américaines à partir du moment où vous êtes diplôme d'État. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions sur la formation de plongée de moniteur. Après, la question qui vient généralement, c'est combien de temps ça prend. Hein, moi, je donnerai quelques indicateurs. Si vous voulez devenir dive master, ça peut être en un minimum de 6 semaines à raison de 5 jours sur 7. Si vous voulez devenir niveau 4, comptez plutôt 8 semaines. Encore une fois, ce sont des minima qui vont dépendre de vos capacités physiques, de vos capacité d'apprentissage théorique. Et ensuite, pour le reste, pour prendre de l'expérience, acquérir des formations complémentaires et devenir moniteur, comptez à peu près le même temps, hein, si vous voulez cumuler les 100 plongées nécessaires, plus la formation. Pour le DE, hein, je vous ai dit, pour le diplôme d'État ou le BP, c'est des formations sur plusieurs mois qui se font en crèche. Après, ce qui est bon d'ajouter comme compétence, c'est une compétence de moniteur tech qui est pour l'instant un marché niche qui se développe de plus en plus, qui vous permet de déployer votre employabilité en étant capable d'enseigner la plongée au nitrox avancé, au trimix, au sidemount, au recycleur. Après, les cursus scale sont aussi très intéressants. Tout ça pour agrandir vos compétences, élargir votre catalogue d'offres et donc augmenter votre employabilité. Voilà, si vous avez des questions sur la formation plongée, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce. Si vous ne l'avez pas aimé, je vous la rembourse. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à télécharger mon guide sur les trucs et astuces en plongée, dont je mets le lien dans la description. À très bientôt. Et puis, je vous souhaite de belles plongées. Wow.